Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Reaper06. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier tutoriel qui sera consacré aux 5 navires légendaires de Assassin's Creed 4 Black Flag. Donc on commence tout de suite par le premier, donc celui qui est tout en haut à gauche de la carte, le El Impolito, la Vierge en français. Alors déjà c'est un navire que vous ne pouvez quasiment pas le distancer, il est très très rapide. Donc, ça sert à rien de fuir et éviter surtout d'être bord à bord avec lui, parce qu'au niveau canon il va vous démonter en 2 secondes. Alors moi la technique que je vous préconise contre lui, donc c'est surtout de bien observer sa façon de naviguer. Car il va souvent essayer de vous éperonner, donc rentrer dedans tout simplement. Donc c'est absolument de, quand il vient pour vous éperonner, d'être face à face avec lui. Vous prendrez moins de dégâts. Donc n'hésitez pas, enfin surtout enchaîner les salves de mortier, les boulets chaînés, les explosifs, les boulets normales, hein. Videz-lui tout ce que vous avez, hein. Essayez d'éviter au maximum, comme là vous voyez les belles rafales qu'il vous envoie. Donc sachant qu'il envoie des belles rafales, hein. Bon, c'est pas celui qui a le plus de canons, mais le bougre il fait très mal, surtout regardez là. Et là il se met au loin. Pardon, je suis un peu enrhumé, excusez-moi. Il se met au loin et puis tout ça pour se rapprocher et se mettre face à vous. Vous voyez, moi j'ai fait l'erreur de rester sur le côté, donc s'il vous prend comme ça, abritez-vous pour prendre le moins de dégâts possible et derrière enchaîner. N'hésitez pas aussi, comme là je le fais, les canons sur pivot, hein. Dès que vous pouvez le faire, plombez-lui tout ce que vous pouvez. Hein. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à les mortiers vider. Hein. Vider tout, hein, parce qu'il c'est. Vu qu'il est rapide, il faut vous profiter du fait qu'il soit loin pour lui en mettre plein la tête. Parce que lui, il va pas vous rater. Hein. Vous voyez la façon qu'il fait, il va très loin, il va au loin, hop, il revient sur vous. De toute façon, vous avez pas encore une fois, regardez la vitesse où il arrive. Donc, surtout, le conseil que je vous donne, surtout, ne faites pas de. Enfin, vous pouvez aussi utiliser comme je viens de le faire, les barils à l'arrière, les barils explosifs. Ça, bon, ça fait pas grand chose, mais on peut dire que ça lui enlèvera quand même un peu de vie. Il a carrément essayé de me sauter dessus. Bon, c'est pas le navire le plus dur, hein. Moi je l'ai battu du premier coup, hein. C'est pas le navire le plus dur des 5, hein. J'ai battu des 5, certains me diront ouais mais le succès c'est 4 navires légendaires, mais il y a, comme je pense que vous le savez, le prochain combat que j'aurai ça sera contre 2 navires, donc je considère qu'en tout il y en a 5. Vous voyez là, il repart au loin, tout ça pour revenir sur vous en vous rentrant dedans, hein, tout simplement. Hein. Sa technique à lui c'est ça. Hein. C'est il va au loin, il vient, il vous met un coup d'éperon, après il vous met une ou deux rafales de boulet, il repart au large et il revient. Voilà, ça c'est sa technique. Hein. Donc bon là vous voyez, je tire dans les voiles, hein. Surtout c'est pas la meilleure technique. Hein. Tirer un maximum c'est dans la coque, hein, pour faire maximum de dégâts avec les canons sur pivot. C'est après si vous faites cette technique là et. Voilà, comme là il vient de rendre l'âme, hein. C'est pas un des navires les plus durs, hein. Vous voyez, donc après du coup vous recevez 20 000 reales, surtout les amis, pour les combats. Donc vous voyez, vous pouvez éviter aussi les accélérates, hein. Vous en aurez aussi certainement pendant des combats par moment, mais surtout allez-y avec votre bateau, réglez à fond, hein. Mortier à fond, coque à fond, c'est important la coque à fond, parce que si vous y allez dès le début il va vous mettre un coup d'épronage et vous dégommer. Donc tout à fond, moi j'ai tout à fond, même les trucs, enfin, il est à 100%. Vous voyez là, on attaque tout de suite donc le Brother in Arms, le Royal Sovereign, plus le HMS Fearless. Donc avec un peu de recherche, ça signifie les frères d'armes. Donc le Royal Sovereign et le HMS Courageux, donc Fearless c'est courageux. Donc la technique que je vous donne les amis. Dès le début du combat, essayez de... sachant que le navire le plus fort des deux, c'est le navire aux voiles blanches. D'ailleurs, le voile blanche, c'est le Royal Sovereign. Donc là, le but là, des deux, essayez de les affaiblir au maximum. Vous voyez, moi j'affaiblis d'abord celui qui a les voiles noires, parce qu'une fois que vous allez en couler un des deux, le deuxième il va augmenter la cadence. Là, il vous aurez vraiment plein la gueule. Donc évitez surtout, vous voyez sur la carte, gardez un œil sur le deuxième bateau. Ils vont toujours essayer de vous prendre en sandwich.
C'est-à-dire qu'il y en a un, vous allez vous concentrer sur le premier, comme moi là, sur celui qui a les voiles noires. Et lui, il va vous tirer dessus, il voit le blanc, vous voyez, il est passé de l'autre côté. Donc il va essayer de vous prendre en sandwich. Donc quand il, s'il vous fait ça, donc observez bien leur manœuvre, s'ils font ça, ralentissez les voiles au maximum. Pour ça, avec un peu de chance, ils vont passer plus vite. Et avec un peu de chance, ils vont se tirer dessus les uns les autres. Donc ça va vous aider à les affaiblir. Vous voyez que là, le HMS Fearless, je l'ai réduit sa vie de moitié. Et après, je me suis attaqué au Sovereign. Donc, au voile blanche, c'est le plus dangereux des deux. Donc, surtout, n'hésitez pas. Hein. C'est la même technique que précédemment. C'est-à-dire, il faut enchaîner ça avec le mortier, poulet chaîné. Le mortier, surtout les mortiers, vous pouvez vider. Hein. Essayez de. Vous en avez 20 au total, augmenter à fond. Essayez de vous focaliser, en faire à peu près 10 par bateau. Parce que si vous avez plus de mortier au dernier bateau, il risquerait de vous en mettre plein la tête. Hein. Vous pouvez gagner, mais il vous en mettra plein la tête. Hein. Donc c'est pas des navires qui sont extrêmement rapides. Ils sont pas rapides. Mais à deux, vous dire que vous allez bien galérer. Hein, parce que moi, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois, je crois, pour enfin réussir à les faire aller du fond, hein, par le fond. Hein. Ils sont, vous voyez, à la technique. Gardez toujours à même. Vous voyez, à chaque fois, là on le voit pas. Vous voyez, hop, où c'est qu'il est le noir, paf, il est là. D'accord, donc surtout, n'hésitez pas à regarder le petit cadeau, regarder la carte. Faut éviter de vous prendre un sandwich hein, tout le temps, hein. C'est très 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 important. Hein. Car ils vont vous faire très très mal. Hein. Bon, ils sont pas, je dirais, c'est pas les plus forts. Mais disons qu'à deux, ils peuvent vous envoyer par le fond assez rapidement. Hein. Vous voyez là, vraiment un combat, ça va peut-être vous faire ça. Ils vont prendre le large, ils vont aller au large. Et vous voyez, ils vont aller se regrouper au fond. Donc, moi j'ai mis un peu de temps au début à comprendre. Mais approchez-vous d'eux, vous voyez à chaque fois ils vont aller l'un vers l'autre, ils vont se croiser et vont revenir à chaque fois vers vous en prenant chacun d'un côté. Vous voyez la technique, regardez, il y en a un qui part à gauche, l'autre va s'en aller à droite. Et pour essayer de vous prendre justement, tenez, bon là bien sûr il est parti à gauche, hein, il me fait mentir bien sûr. Et là ils vont revenir vers vous et vous prendre chacun d'un côté. Ça c'est leur technique à eux. Vous voyez, n'hésitez pas surtout quand ils sont recoupés à tirer le mortier entre les deux, ça ferait des dégâts aux deux. Et si vous pouvez leur mettre un coup d'éperonnage hein, s'il est trop près de vous, n'hésitez pas, ça lui fera un petit peu de dégâts. N'hésitez pas aussi à vous barrer l'explosif, ça peut. Ça les fera pas changer de côté. Hein. Ils vont pas changer de cap juste parce que vous envoyez des tonneaux. Hein. Mais c'est comme je vous l'ai dit précédemment, ça leur fera un petit peu de dégâts. Et c'est pas négligeable, hein. Il suffit de. Voilà, une pichenette plus une pichenette, au bout d'un moment ça fait très mal quand même. Vous voyez que là, surtout les canons sur pivot, dès que vous pouvez le faire, faites-le. Et que là, moi j'ai battu le Royal Sovereign avec ça. Donc là, normalement, en 1 contre 1, vous devriez avoir moins de mal. Mais regardez les bordées qu'il vous met. Surtout qu'il peut vous les mettre de très loin. Donc tous les bateaux légendaires, ils peuvent vous le faire. Donc n'hésitez pas à vous arrêter. Évitez. Moi je l'ai pas fait. Mais essayez d'éviter un maximum le bord à bord. Hein. Je l'ai déjà dit pour le. Pour l'Impolito. Mais surtout, évitez le bord à bord. Parce qu'ils font très très mal. Hein. Surtout s'ils arrivent à deux, ils font très très mal. Hein. Quand il ne reste plus qu'un, comme je vous ai dit, ils paraissent plus forts. Moi, par le noir, on m'a dit c'est le moins fort des deux. Il est moins fort, certes, mais tout seul, il fait mal. Il fait très très mal. Surtout, regardez là, il enchaîne bien les salves. Donc, n'hésitez pas. Essayez un maximum derrière lui. Bon, là, ouais, bien sûr, sur la vidéo, je ne l'ai pas fait. Moi, je préfère prendre la technique de pousser dans le tas. Vous voyez, par contre, dès que vous n'avez plus trop de vie, prenez de la distance et envoyez des. Envoyer du mortier, des tonneaux, parce que ça pourra vous aider hein, vachement. Regardez là, il a presque failli me fumer, mais je l'ai niqué avec. Enfin, je l'ai niqué. Je l'ai battu par les barils explosifs. Regardez là le petit bug. Hop, il a disparu. C'était un petit bug, je trouvais ça assez drôle. Donc, on enchaîne cette fois-ci. On va enchaîner sur le quatrième, celui qui est en bas à gauche. Donc, celui-là, les deux là étaient en haut à droite de la carte. Hein. Donc là on enchaîne sur la Dama Negla, donc la Dame Noire. Donc moi le conseil que je peux vous donner tout de suite, hein, vous voyez que il a une coque très très grosse. Donc c'est vraiment, pour moi c'est, on va dire c'est un tank sur la mer quoi. C'est-à-dire qu'il est, il a un blindage très très résistant. Mais vous pouvez le battre, enfin, de toute façon on peut tous les battre. Hein. Mais vous voyez déjà là tous les canons qu'il porte. C'est-à-dire quand il vous met une bordée, vous la sentez passer. Il a des mortiers aussi, donc faites très attention. Donc il est
Donc comment, qu'est-ce que je voulais dire, donc essayez un maximum, donc comme je l'ai dit, d'enchaîner mortier, donc évitez d'abord ces mortiers, hein, parce que ces mortiers ils font très mal. Vous voyez, quand ils tirent, il n'y a rien sur la mer, vous savez pas où ça va atterrir, donc regardez bien comment ils tirent, parce que en général il va tirer un peu devant vous, donc réduisez votre vitesse, n'hésitez pas à naviguer en zigzag. Après, la technique la plus facile avec lui, donc c'est bien de nous tirer dans la coque un maximum. Au bout d'un moment, vous verrez, ça sera payant. Hein. Il fait très mal. Alors, la deuxième technique, mettez-vous dans son dos. Dès que vous pouvez, donc c'est mortier, boulet chaîné, boulet explosif, boulet classique. Essayez, comme je fais là, vous mettez dans son dos. Vous accélérez, vous mettez un coup d'éperon dans le dos. Voilà, ça lui fera perdre pas mal de dégâts. Oui, bon, je dors un petit coup, mais bon, ça sert à rien. Hein. Vous lui mettez un grand coup, après vous vous écartez. Hein. Ça sert à rien de rester bord à bord avec lui, parce que vous voyez que les mortiers, les tours, ils les tirent vraiment à côté de lui. Au bout d'un moment, vous voyez que sa coque commence à percer, donc vous pourrez utiliser vos canons sur pivot. Donc là, moi j'utilise beaucoup les mortiers, donc les mortiers, n'hésitez pas. Hein. Vous en avez 20, vous pouvez les bombarder. Hein. Vous voyez, donc, il n'est pas extrêmement précis, vous voyez, là, il tire un peu n'importe comment. Mais il est résistant, même les tonneaux, ça lui fait quasiment rien. Hein. Mais n'hésitez pas quand même à lui mettre, c'est toujours ça de prix. Donc vous voyez, essayez d'éviter aussi quand il fonce sur vous. Il peut vous mettre un coup d'éperon. Essayez quand même d'éviter. Donc là vous voyez, ah bon là, il est pas comment très pas très dur à battre. Hein. C'est l'un des. Sur les 5, c'est plus facile à battre. Mais c'est le plus résistant. Donc si vous évitez bien ces mortiers. C'est les mortiers, hein. Sur la principale c'est les mortiers, hein, je le répète. Il fait très très mal si vous prenez les mortiers. Mais à un moment je vais être en plein dedans, vous voyez, là, ça fait très très mal. J'ai déjà pris un boulet, c'est un petit carré de votre vie. Hein. Donc si vous prenez les 5 ou 6, bah, vous avez une barre qui saute. Hein. Donc essayez d'éviter au maximum ces choses-là, donc en ralentissant votre vitesse, en changeant de cap. Et dès que vous pouvez, vous retournez dans son dos. Et comme je fais là, vous le suivez. Et vous lui mettez des boulets chaînés, mortier. Vous voyez là, je vais lui mettre un petit coup de mortier. Bien sûr, ce que je vais faire, un petit coup de mortier. Si vous le tirez, foncez pas sur lui, hein, parce que vous le mortez, vous allez vous prendre sur la gueule. Vous voyez là, je ralentis ma vitesse. Ça tape, hop, et là vous pourrez accélérer un coup de boulet. Et un petit coup d'éperon dans le cul. Ça fait toujours du bien. Là, surtout pour vous, hein, parce que lui ça fait pas tout bien. Là vous arrivez dans le dos, là, surtout dans le dos. Dès que vous pouvez, boulet explosif. Hein. C'est vraiment son point faible, c'est le dos. Hein. Vous voyez, donc là bon. Vous en aurez assez, vous aurez comment. Vous arriverez à le battre assez facilement si vous appliquez cette technique. Donc surtout bien éviter ces mortiers, hein, je vous le répète, c'est très important. Donc là on enchaîne sur le cinquième, le plus dangereux des cinq. Il est déclaré comme le plus dangereux des cinq, vous ne voyez pas très bien dans la brume. Vous voyez, donc c'est le HMS Prince. Bon, ça sert à rien de le traduire, hein, ça veut dire Prince, hein, tout simplement. Donc c'est le navire le plus dangereux. Pourquoi il est dangereux? Tout simplement parce qu'il a la particularité de se coller à vous. Donc si vous allez, je sais pas, essayer de vous mettre bord à bord avec lui, il fera exactement pareil, il va se coller à vos mouvements. Après au niveau de la coque, si vous mettez des rafales de boulets dans la coque, vous verrez que les canons sans pivot vont lui faire très très mal. Donc c'est très important. Donc, et il tire aussi des mortiers, donc les mortiers par contre lui, ils sont visibles. Vous verrez une trace rouge comme pour les manoirs sur la mer, donc il suffit de ne pas vous en trouver au milieu. Hein. Simplement. Vous voyez que là, vous mettez un rafale de boulet, hop, ça apparaît tout de suite. Vous voyez aussi les petits carrés rouges, hein, bien sûr, hein, c'est le portier. Donc c'est un navire, il essaie normalement, ce navire ne vous épeurera pas. Je me dis normalement. Moi, il ne l'a pas fait. Enfin, il va essayer, il va peut-être le faire, mais normalement, il le fait très rarement. C'est vraiment un navire qui va faire exactement ce que vous faites. Vous voyez, je me mets bord à bord. Et lui, ça... Il tire quasiment pas de boulets classiques, c'est que des boulets enflammés, des boulets explosifs. Donc la technique reste la même, hein. Mortier, boulet explosif, boulet classique, boulet chaîné. Bien sûr le mortier, vous allez à foison, hein. C'est pas le plus résistant des 5. C'est le plus dangereux, mais c'est pas le plus résistant. Hein. Vous voyez, même dans les voiles, normalement, si vous tirez dans les voiles, les canons sur pivot pourront vous être utiles. Vous voyez, là, j'ai tiré dans les voiles, il apparaît. Surtout, dès que ça apparaît, n'hésitez pas. Hein. Les canons sur pivot, il faut le faire tout de suite. Hein. Ça lui fera très très mal. Vous voyez que là, j'ai quasiment rien fait d'extraordinaire. Le mortier, j'ai quasiment pas utilisé. Et il est déjà dans le rouge.
Voilà, donc vous voyez là, ça rafale de boulets explosifs. Donc, comme je vous l'ai dit, tout le monde dit que c'est Blazer le plus dangereux. Personnellement, je ne trouve pas. Parce que c'est le plus dangereux, peut-être parce que c'est dans la brume, ça fait penser à un navire fantôme. Mais pour moi, le plus dangereux des 5, enfin, les plus dangereux, c'est les Brother in Arms. Si vous n'avez pas la bonne technique, ils vont vous fumer en 2 secondes. Hein. Surtout que quand il en reste plus qu'un, il s'énerve, le dernier s'énerve tout seul. Ça part très mal. Et là ça va être bientôt la fin du combat contre ce navire. Donc bien sûr, je le redis, hein, sur ce navire, son point fort, il utilise beaucoup les mortiers. Donc, les mortiers, il suffit de les éviter, hein, c'est tout simple. Et éviter ces boulets explosifs. Après le reste, c'est pas le plus. Vous voyez que j'ai pas eu de difficultés. Hein. Bon, on m'a quand même enlevé 2 barres, vous me direz. C'est pas non plus le plus dur. Hein. Vous voyez qu'ils sont assez simples d'accès. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Reaper. Et là, ciao les gamers.